Au mois d'octobre dernier, 16 hommes et 2 femmes se sont lancés dans une aventure unique, Ram Guyane, pour bien sûr participer, mais aussi tenter de succéder au dernier vainqueur en 2012. C'était Pascal Vaudet. Ah pardon, Pascal Vaudet. Oui. Bravo les filles. Pour faire le bilan de cette 4e édition, Tara Govindin et Patrice Maciel. Tara, quelques semaines après l'arrivée des premiers participants et du vainqueur, quel bilan peut-on tirer de Ram Guyane? Ça a été un bilan tout à fait positif? Ah, très positif. Ouais. Ouais, très positif. À quel point? Sur le point médiatique. Mmh. On a été quand même suivi par TF1. On a eu quand même trois reportages, BFM, tout le sport. Donc je me répète, mais oui, voilà. Très bien, comme mon patron et me puis, regarde. Et puis vous aussi, Guyane Première. Je ne vous ai pas oublié. Les retombées sont vraiment intéressantes pour la Guyane, aussi bien sur l'image de la Guyane qu'économiquement Oui, surtout, parce qu'on a eu quand même des touristes. Ouais. Sont venus là. Ensuite, j'irai surtout par rapport à la victoire d'Antonio. Ouais. On a eu de très belles retombées sur, sur l'Espagne, ouais. Notamment. Alors justement, le vainqueur, il est espagnol, il fut heureux de franchir la ligne en premier. Comment avez-vous partagé sa joie? Je crois que c'est la première fois qu'il mettait les pieds en Guyane. Hein, c'est la première fois. Voilà, où vous. C'est vrai, en plus, c'est la première fois, tout à fait. Ah, il était heureux, vraiment très heureux. Ouais. Il ne s'attendait pas d'ailleurs à un accueil tel que celui-là. Voilà, effectivement, il a été accueilli au large des îles d'Italie. Exactement, et ensuite sur les îles. Alors, vous avez forcément des nouvelles de lui depuis son retour à Madrid. Je crois savoir qu'il a été accueilli en héros. Est-ce qu'il a été héros, justement? En Espagne, hein. Ouais, tout à fait, oui. À l'aéroport, dès qu'il est arrivé, tout de suite, oui, c'est vrai. Donc vous avez eu des retombées, effectivement, médiatiques là-bas en Espagne. Parce que c'est vrai que pour la première fois, un Espagnol participe à Ram Guyane, il revient chez lui, il y a un accueil extraordinaire. Regardez là, c'est justement à l'aéroport, où il est tout content d'avoir, bien sûr, gagné le Ram Guyane 4e édition. Regardez quand même l'accueil qu'il a eu, c'est vraiment extraordinaire. Pour vous, cela vous motive à continuer l'aventure quand on voit ces images? Bien sûr, oui, surtout oui. Surtout quand on est très intéressé justement de lancer cette course sur le plan international. Donc oui, Antonio, pour nous, c'est le relais, bien sûr. Voilà, voilà. C'est un vrai vecteur pour vous. Il va pouvoir faire la suite du travail chez lui en Espagne. Alors Patrice Maciel, je suppose quand vous voyez les images d'Antonio accueilli chez lui avec autant de personnes, vous, ça a été dans un anonymat un petit peu complet. Quelques amis étaient là. Est-ce que ça vous embête? Non, je crois que vous n'avez pas les bonnes infos, excusez-moi de vous le dire. Non, c'était pas comme en Espagne en tout cas. Bien sûr que non, évidemment, ouais. je n'ai pas été vainqueur au sens propre du terme. Ouais. Après, c'est une course où il y a beaucoup de choses qui se passent et tout est relatif. Tu peux être premier, évidemment, avoir tout un public avec toi. Puis en même temps, tu peux être avant-dernier ou dernier comme moi et véhiculer des choses qui sont très importantes. Et je pense que la Guyane aujourd'hui a pris conscience des objectifs qu'on s'était fixés. Il est vrai que moi, en fait, pour dire la vérité, tout le monde pense que je suis arrivé dans de bonnes conditions. En fait, non, j'ai failli me noyer au large de la Guyane parce que le bateau a coulé dans des vagues de 4 mètres, il faut le savoir, et que j'ai eu mon équipe de routeurs via l'organisation que je remercie d'ailleurs, Tara, qui a assuré pour rapidement réagir. Bon, je suis resté serein parce que le bateau, c'est de la sécurité, de la pleine sécurité, hein, je veux dire, voilà. Après, ce qui est important pour moi, mis à part le côté sportif, que j'ai foutu en l'air, hein, excusez-moi du terme. Vous aviez une mission, vous, hein? J'avais une mission, enfin, on s'est donné une mission avec notre équipe. On est parti sur deux pôles. Un, compétition, de gagner. Et évidemment, voilà, comme vous le savez tous, ça n'a pas marché. Mais j'ai quand même un palmarès. Ouais. J'ai ramé le plus actuellement au monde sur l'Atlantique. Vous avez dérivé, vous avez ouais. En fait, notre équipe, c'est l'équipe vainqueur de la dernière édition. Et quand on était pris sur les côtes d'Afrique à cause du courant et du vent et à cause surtout d'un problème électrique, on a quand même vachement bataillé pour sortir du plateau continental. Une fois que ça a été fait, eh bien on a mis la pression sur les autres compétiteurs. J'ai remonté quand même pas mal de monde. J'étais derrière Catherine Barrois, j'étais à 200, même pas 300 000 d'Antonio. Et puis on a eu envie de s'amuser, on a fait un choix qui peut être discutable par certains en ce qui me concerne. Non, pas du tout hein, j'essaie. Patrice, est-ce que abandonner fut une décision difficile à prendre à un moment donné pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout, hein.
Pas du tout, parce que si vous suivez la course, comme je vous l'ai dit, ça part de la décision de partir dans le sud, parce qu'il y a un gros courant dans le sud. Ouais. Malheureusement, les éléments sont contre nous. On a joué de malchance à plein de moments. Celui-là a été un moment déterminant, puisque j'ai pris près de 700 km dans la tête. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter. C'est énorme. 700 km, c'est énorme. Je veux dire, je souffre énormément pour descendre dans le sud, c'est-à-dire à environ 3 degrés 30, j'y arrive pas. Je suis à 3 degrés 50. Là, je monte à 5 nœuds, c'est-à-dire à peu près à 10 km/h de vitesse. Je suis super heureux. Ouais. Et le matin, quand je me réveille, le bateau pointe vers le nord. Et je me bats comme un dingue pour essayer de redresser le bateau. Le vent est de sud-sud-est, il me ramène vers le haut. Et là, je remonte, vous pouvez voir sur Internet. Ouais. Donc à ce moment-là, je sais que la course, elle est perdue, que les perspectives qu'on s'était faites, voilà. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il n'y a pas de désespoir, je veux dire, faut être... Et il faut continuer l'aventure. Alors, c'est vrai que, Patrice, on peut retrouver un article sur lui dans un journal qui vient du Brésil. Vous étiez d'ailleurs, il y a de cela quelques heures encore, au Brésil. C'est un journal où on parle notamment de Cristiano Ronaldo aussi. Donc, il y a Patrice Maciel à l'intérieur, où on raconte votre course, vous êtes accueilli effectivement en héros chez vous, vous avez la double nationalité, on va le dire ainsi, parce que des origines brésiliennes, mais surtout guyanaises. Est-ce que ces attentions du public guyanais, mais aussi brésilien, est-ce que ça vous donne envie de recommencer l'aventure? Bien sûr, ça me donne envie de recommencer, je ne le ferai pas. Je le ferai pas. Non, je ne le ferai pas, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de raison de le faire. Ouais. Je veux dire, j'avais envie de le faire en tant que sportif, en tant qu'homme. Voilà, j'ai réalisé mon objectif en tant que sportif et en tant qu'homme. Ouais. Je veux dire, j'avais des objectifs qui étaient qui sont ceux de défendre les personnes en situation de handicap. C'est fait. Aujourd'hui, on a récolté une cagnotte de 2 500 €, à peu près. C'est ce qui était au départ l'objectif. C'est OK. D'ailleurs, je tiens à saluer la DPEP. Qui sont heureux comme tout, on pourra assurer les projets pour différents membres, effectivement. J'ai couru pour la FOAG, vous connaissez la FOAG? Oui, tout à fait. Fédération des organisations autochtones de Guyane. Des Guyane, ouais. Vous connaissez la problématique des Amérindiens, de leur non-droit à la parole, entre guillemets. C'est important aujourd'hui de défendre l'environnement. Donc moi, je suis très heureux, je suis très fier d'avoir défendu mon pays. Heureux et serein, c'est vraiment génial. Non, bravo, Patrice. Patrice Maciel, qui a participé à ce rendez-vous. Est-ce que vous avez déjà une idée, Tara, de la date pour la prochaine édition? Est-ce qu'il y aura une prochaine édition ou pas? Est-ce que ça 2017. Va changer 2017. 2017. Très bien, ce sera toujours... La grande course à Ramadan. Sénégal-Guyane ou bien est-ce que ça va être Antigua-Guyane? Non, on a parlé d'Antigua à un moment donné. Non, là c'est la petite course qu'on a prévue en 2016. Très bien, merci pour toutes ces informations. On a fini. Permettez-moi de saluer, permettez-moi de dire à la Guyane merci beaucoup de m'avoir soutenu. Franchement, c'était super. Les moments de solitude ont été énormes. Et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que franchement, vos encouragements m'ont donné de la force. Voilà, merci. Et puis bon, on radote notre moment, quoi. Voilà, il a encore les stigmates là dans ses mains. Je vois les gens couler partout. C'est pas évident, c'est pas évident. Il va parfois quand il a tendance à être encore sur la mer. Merci beaucoup. Merci Patrice Maciel. Merci Tara. Gobelin. Voilà, une très belle aventure. Ram Guyane. S'installe pour notre rendez-vous selfie. Venez Jérémy, venez Patrice, venez tout le monde. C'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain à 20h sur Guyane Première. C'est juste après Chacha et ses programmes télé. Chacha d'ailleurs c'est OK. On va te recevoir. On va faire une chronique en TNT. Installez-vous, vous êtes prêts? On y va pour selfie. Hein. But me and the DJ cool, them can't play me for fool. Run to you now.